mettez les pochots. Et content pour nous avec vous après-midi. Dans le cadre de décembre et sorti nous pour semaine et c'est là. Wen c'est lui-même qui a fait toute manœuvre et technique. Yo. Supervision Dr Yves Boissonnière. Micro de présentation, moi-même, Zambio Adelson, Kenito Junior, et Andy et l'autre monsieur même qui n'est pas présent. En tout cas, et nous comptons pour nous avec et tous les amis radio et télépocho. Et bien tout le monde qui déjà à bord, tous les amis et qui est en branché, tout internet. Et nous profiter de saluer les 13 sections plus les quartiers de Douin. Et bien nous saluer tous les amis Facebook live yo pour nous là avec vous après-midi. Côté que nous prenons pour nous partager. Et une temps d'information et soit sur le plan national et international côté dans ce maintenant là était gain Ligue des Champions et bien qui était joué défaite pour équipe Real et de Madrid là et bien Real de Madrid lui même Kappa et Bredlo et n'a bien pour nous parler toi à l'échelle nationale et bien concernant Melchidel Dumoné et bien qui fait partie et capable dit top 5 et meilleur buteuse et qui gagne et dans D1 Akema dans pays et la France tout point ça on a bien pour nous développer après-midi hein et bien l'autre fois nous content pour nous là avec et toutes amis et proches FM. Eh bien, rapidement, on a entré dans l'actualité à l'échelle nationale. Eh bien, à l'échelle nationale, Real Hope Academy, nous connaissons qui était engagé dans la Ligue des Nations de la CON et CACAF. Eh bien, le club haïtien a bien pour négocier deux matchs. C'est pour le compte les FC Moka, qui sont un club dominicain. Côté là, mais c'est au Capio, eh bien, pour le Goumé pour se rejoindre. Et troisième place, là, Saktaba au doigt pour jouer la CON CACAF. Ligue des champions de la CONCACAF 2025. Eh bien, en oué calendrier, comment et sa pralie et pour une océosio, mais c'est du Capio. Eh bien, match aller à Cap joué le 26 novembre 2024, c'est pral dans stade Sibao FC. Côté match, ça a joué à 6h PM et le haïtien. Et puis, Real Hop. Oui, Cap Gainpoul recevoir information FC Mouka, c'est pour aller dans le stade Sibao FCA. Et puis, match retour, la Gainpoul joue 3 décembre 2024, c'est pour aller dans le stade Mouka, 4h25 à 4h30 PM de l'après-midi. Et bien, côté Mouka, lui-même, FC Gainpoul recevoir formation Real Hop FA. Et bien, Real Hop déjà là, et pral négocier pour l'Ouest-Silda valider biel pour la Ligue des Champions de 2025. En tout cas, nous m'étions confiants dans l'équipe Real et du Caplan, malgré que nous connaissons la bataille li pa aussi facile, mais jusqu'à présent, vu qu'avec élément et qu'équipe du Cap haïtien lui-même, li gagne et dans l'équipe ça, et je pense que l'équipe au Caplan, et bien, pral mette et pral faire tout ça qu'elle connaît, et bien, pour l'Ouest, yota défier et des formations et Sibao FCA, bien que nous. Connaissez bon bagaille cap aussi facile là c'est là pour nous et bien problème pays et bien ça a causé un pile problème et pour nous et surtout dans football et haïtien donc nous là si c'est pas de problème pays et bien Real du Cap tap capable de recevoir match là et les en Haïti ça qui tape balle et yon lot et mental pour t'aborder match ça mais tous les matchs ça on a pas gain pour nous jouer c'est pas la nature et dominicaine en tout cas et me penser que équipe au Caplan jusqu'à présent monsieur nous même nous gain confiance dans équipe ça et bien penser et Rino Serosio et bien même yo ka fait yon bagaille contre club et Sibao et alors c'est Mouka FC qui gain Clifford Thomas qui c'est yon grenadier haïtien lui même cap évoluer dans équipe ça et bien nous restons confiants jusqu'à présent dans l'équipe Real Academy. N'a pas continué toujours avec actualité à l'échelle nationale. Eh bien, nous avons Grenadier ça qui c'est éclair constant. Eh bien, qui figure là dans l'équipe type de l'USL Super League. Et pour moi, d'octobre, en tout cas, Grenadier ça, eh bien, vraiment, eh bien, qui fait partie et équipe et type dans l'US. Et Super League, en tout cas, et mesdames, yo là, ces derniers temps, nous, mesdames, nous même capables de bouger, et tout bon par bord, que ce soit en France, les États-Unis d'Amérique, etc. En tout cas, et vraiment, ça fait nous plaisir, et pas beau ici, et bien, là, nous tendez, et yon joueuse est en coup, et Claire Constant, lui même capable de défendre, et assez bien, c'est vraiment à féliciter. Et bien, Jimmy et Guillaume, malgré que l'équipe
Real Oplan lui-même li éliminé alors équipe planté et perdu contre équipe Sibawa, mais ça pas empêché que Jimmy Guillaume lui fait partie équipe type de demi-finale de la Caribbean Cup malgré l'élimination et l'élimination alors équipe au Caplan n'a parlé de Real Op qui a bien pour la jouer troisième place dans ligue Eden dans ligue des champions de la CONCACAF avec côté n'a bien pour nous jouer contre équipe Moka, mais ça pas empêché que yon moun tan kou Jimmy Guillaume et bien figuré dans équipe et type ça et bien c'est très bien lui même qui là qui belle et bien présent parmi 11 type ça sur le flanc droit et pour équipe Real Op Academy. Maintenant comment ça n'a pas bien gagné tout, nous saluer tous les amis qui ensemble avec nous là et combien ici gagné dans base non 11 type là. Après, c'est on seul, lui, c'est celle Guillaume. Guillaume n'a pas dit, il va voir l'autre nègre. C'est Jimmy Guillaume, joueur Real Op. Oui, nous éliminé. Oui, malgré nous éliminé. Contre Esiba UFC, club dominicain, club Charleroi Junior. Mais jusqu'à présent, là, maintenant, nous capables, comme nous avons deux matchs, nous prenons pour négocier là, tout à l'heure, nous avons parlé de deux matchs ça, contre Moka FC, qui est un club dominicain. Côté nous prenons. Esiba UFC, bon, qui Moka? Oui, Sibao lui-même, c'est une équipe qui champion, qui plaît des champions l'autre bois à tout. On voit, ça veut dire que c'est différent avec l'équipe Moka. Ça veut dire là, nous prenons le goumen et contre Moka. On nous prend troisième place. Et troisième place maintenant, c'est vraiment qui tape et utile nous et qui tape bas nous directement. Et bien, voilà pour nous négocier la Ligue des champions de la CONCACAF qui va gagner pour le fait dans l'année 2025 maintenant. Tout à fait. Ça veut dire là. Tout le monde ici a compris. Ça, le football, comment le football peut faire. Côté, il y a un gros club qui a fait football, il y a un problème. Il n'y a pas besoin de parler de lui-même qui va faire football, qui va faire football, qui va jouer football. Voilà. Ouais, ça. Et puis actualité yo y a continué toujours à l'échelle nationale pendant n'a demandé avec zami yo continuer partager nous capable toujours abonner avec page radio et téléproche là et puis commenter liker partager et s'il vous plaît et puis Gemel Chidael Dumonet en pile monde connaît sous nom ça Coventina mais qui dans top 5 meilleure buteuse dans de Akema dans pays et la France et bien là Melchidael lui-même et bien qui parmi et qui fait partie top 5 meilleure buteuse. Eh bien nous avons nous rapidement gain Clara Mateo qui gagne 6 goals gain Lensey Oran qui gagne 5 goals et gain Victoria et Painter qui gagne 5 goals gain Asata Traoré qui gagne 5 goals Melchidel Dumonet en 5e position qui gagne 4 goals et puis gain Maël et Garbino qui gagne 4 goals tout et derrière Melchidael Dumonet en tout cas qui fait partie top 5 meilleure buteuse dans D1 Akema dans pays la France maintenant c'est encore à féliciter. Ouais, ça a bon pour nous en pile. Le niveau qui a monté à là, c'est une question de quelqu'un bien pour être en vie, qu'il pas blessé et puis pour la marquer goal et puis pour la monter. Qui dit mieux il t'a passé comme meilleur buteur. Ça t'a fait affaire net. Oui, c'est ça a tout, l'étape balle et doit tout pour progresser tout. Vous comprenez, l'étape progresser. Bah, il est levé qui vient dans l'équipe là, il tape fond, genre là, il va te mettre le titulaire. Koulia Baba et place dit net. On va ramener Zouban. Voilà. Et puis nous avons traversé dans le football et femmes pour nous parler et concernant la sélection et féminine haïtienne qui engagé le tournoi dans le pays et Colombie. Football ah, de tournoi là. Et côté nous jouons 3 matchs et nous faisons 2 matchs nuls. Ils ont défaite contre la sélection anglaise qui gagne nous dans le football femmes et amputé qui bat nous. Sous deux pieds nous ils battent nous. Ou yon zombie, nous perdons. Nous perdons encore. Nous, pour première sortie, nous défaisons 0-0 contre formation kenyan. Et puis, nous tombons mardi soir contre l'Angleterre. Et puis, pour troisième match, nous faisons 0-0 et contre la sélection péruvienne. Pour 3 matchs, sélection et féminine amputée, Libamake, yon goal. Et nous prenons pour nous jouer là, maintenant, nous prenons la goumé pour troisième place. C'est pour contre la sélection et brésilienne de football, maintenant. Nous prenons la goumé là pour nous essayer de jouer, eh bien, 9e place. Bon, attendez, comme c'est pas amputé. L'autant de bases à vous de voir contre le Brésil. Ou non, mais premier bas, vous mettez en tête tout. Nous, ça, on a fait football, yo. Même nous-mêmes, nous avons chance, nous tout. Oui. À Boudou, nous avons passé, nous avons pas de gol. Oui, ça n'a pas brivé.
ballon pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire que bien que nous connaissons, ce n'est pas bon bagaille qui est facile. Si nous apprenons et adversaires que nous rencontrons dans le tournoi, ça a, et n'était-ce pas la sélection anglaise, nous pensons qu'il paraît plus ou moins par rapport avec l'autre sélection est en coup la sélection péruvienne, voilà, qui nous fait match nul contre Kenya et nous fait match nul, mais nous t'es capable de dire et c'est pas une bataille cap facile jouer contre la sélection brésilienne de football. Oui, des bisous non hein? Non du bagaille. Ça veut dire un paquet de bagaille. Mais rapidement maintenant c'est une petite actualité et national là pour nous parler tout de suite à l'échelle internationale et déjà nous et cap mené nous directement dans Ligue des Champions qui était joué pendant mardi et mercredi. Défaite encore une fois pour équipe Real et de Madrid là, ça veut dire la Real de Madrid bagayo et pas bien marché dans jour là et pour équipe Real de Madrid là, mais qui tombait contre la formation et milanaise de football qui gagne 3 goals à 1 et pourtant et nous pas et penser que match en TK fini comme ça. Mais nous, équipe Milan, c'est en tout qui débarque l'autre bois et qui pat Vin Van Paul. Bonheur. Maintenant, cette équipe Milan, c'est en tap mette pression. Et si on connaît avec Malik et Thiaw, tapral ouvre score là et de la tête. Mais l'équipe Real de Madrid là, qui tapral pousse avec Junior Vinicius et bien Mbappé, tapral bénéficier d'une pénalité côté et joueur brésilien qui c'est Emerson Royal tapral taclé yon joueur en coup Junior Vinicius dans surface des jeux et formation et Milan CA c'est tapral directement pénal et pour la formation et madrilène de football Junior Vinicius qui tapral prend pénalité qui tapral transformer en but avec yon Panenka et ben qui était côté portier fond bon ballon fond bon c'est tapral yon goal dans chaque camp. Milan s'est pas continué mettre pression avec yon Tijani Rendez, Younis Moussa, Rafael Leao, mais c'est ça au même qui t'a ban pile problème avec défense équipe Real de Madrid là et sur on frappe et de Rafael et Leao côté portier et Real de Madrid là Lounine t'a pral repousser frappe là mais pas de présence défenseur pour te dégager ballon et Morata lui même qui t'a privé mettre ballon dans filet c'est pral 2 goals à 1 et pour équipe et Milan. Yon Milan qui continue à peser sur accélérateur, yon Real de Madrid et qui vini et dans deuxième et période là et qui a poussé pour essayer de joindre égalisation yo. Milan c'est toujours vini et rete avec même dispositif tactique là. Non seulement y a géré match là, y a joué avec yon défense en ligne tout, yo te gen 5 moun et les a défendre, c'est 5 moun qui ouais qui aligné. Real de Madrid poussé li pas capable trouver égalisation hein. Yo attend pile goal tout. En pile goal, voilà. Milan c'est qui t'apprend le marquer. Yo troisième goal, c'est d'après là et bien et goal et final match là et bien côté Real de Madrid tombé la Kaili contre la formation milanaise de football 3 goals à 1 dans la Ligue des Champions. Nous capable de dire Real de Madrid dans Santiago Bernabéu pour deux matchs qui ont joué et là yo prend 7 goals. Yo prend 7 goals. Yo prend 4-0 dans mes équipes et Barcelona yo prend 3-1 dans le Milan AC bien que dans week-end yo t'a prend déplacement yo t'a prend la Valence vu qu'avec inondation qui inondé sud-est de l'Espagne plus précisément la ville de Valence et bien fait rencontre ça et pas arrivé jouer match en reporté nous pas connait comment ça t'a prend lié mais nous capable dit pour deux matchs consécutifs c'est des défaites pour le Real de Madrid et qui cause défaite ça c'est question ça en pile mon a posé nous même c'est lui même là nous vienne aborder avant nous prend l'autre match qui est important pour tout haïtien yo et parce que deux matchs qui est important pour l'autre haïtien ça Barcelone et puis City qui perdu ça te passé dans Real Madrid nous t'a dit ça bon ici il y a longtemps que Nito nous t'ai dit son équipe qui fatiguée une équipe qui pas mi temps terrain yo son équipe qui gagne là parce que le Real là c'est pas mon cap dit qu'on seul mon en défense Real là qui pas problème et Lucas Vazquez qui pas jouer comme latéral et Ancelotti et Zoré Duli il fait comme on l'an pour la mettre Vasquez jouer comme latéral droit et l'ouest ça pas marché ça pas bail pour lui parce que l'homme était Vasquez comme latéral ou fait Valverde obligé venir dans couloir et déplacer pour mon qui connait je m'en il apprendre ça m'a dit mon qui connait Damier tout apprendre ça m'a dit voilà l'a déplacer pion parce que une fois
Vasquez pas capable, Valverde obligé de quitter place là. Mm-hmm. Pour le vini, couvrir pour Vasquez. Pour Vasquez. Ni à mi-temps terrain en vine vide, ou exiger Bellingham lui-même pour le tourner. Mm-hmm. Et puis sortant de là, il y a un nom Vas. Et défense a commencé à avoir un problème. Défense a oublié à piller. Et chaque fois défense a pas oublié, soit sur ça, sur le troisième goal là, Militao est tombé, dans le couloir, Rudiger est tombé. Mais c'est dernier temps tout maintenant et défenseur Real de Madrid là avec Eder Militao, c'est pour un défenseur qui gagne solidité, non? C'est vrai nous connaît Rudiger gagne plus fougue, paraît plus combattant, mais là prend Eder Militao jusqu'à présent là gagne des déchets et ne joue pas Eder Militao. Depuis monsieur fin blessé là, n'a retour les problèmes là bas. Et en dedans rien, son paquet de monde qui sorti en bas blessure. Bellingham c'est bon est qui en santé. Tchouameni. Et Bellingham qui n'a pas confiance tout. Ah, mais il y a un qui en santé. Tchouameni retourne après blessure. Kamavinga après blessure. Valverde fatigué. Mm-hmm. Modric, Tigamoun. Oui, et non seulement tout le monde joue tant que Aurélien Tchouameni. Tchouameni vini après blessure. Non seulement, c'est pour un joueur qui n'a ni. Qui n'a dimension Tony Kous. L'opre Tony Kous par rapport et technique et Tony Kous, non seulement Tony Kous. Moi-même, pas parler. Est capable de faire équipe plan. Où dit parler de Tony Kous? Ça veut dire que c'est pas capable. Et jouer ça pas capacité pour le faire. Job Tony Kous, c'est qu'on a circulé le ballon avec des longues balles, 30-25 mètres, avec des passes en profondeur. Tu as mené pas gain capacité ça. Les plus paraître, ils ont ratissé des balles par rapport avec Tony Kous. Problème, il y a des. Tony Kous, c'est parce qu'il y a la mal joué, mais il n'y a pas capable de parler de Tony Kous. Problème n'a pas de problème Tony Kous. Problème dans son problème qui est que il n'y a pas répondre. Depuis Réon pas répondre, depuis Réon n'y a pas couché pour coucher en côté. C'est Réon qui peut faire tout le problème de camper. Et ça te fait, ouais, attaque. Réon vient de faire celle, il vient de plier sur lui-même celle. Nous, attaque n'a pas qu'à progresser. Malgré que c'est parce que c'est des gros techniciens, oui, des hommes comme Rodrigo. Vinicius, c'est pas ce que gros technicien oui, qui faut Real ressusciter. Oui. Ou pas ça te passe Mbappé. Mm-hmm. Mbappé plonge, parce que le bon gros technicien. Parce que ni Vinicius, ni Rodrigo, c'est qui a une capacité pour qu'il y ait ballon. Mm-hmm. Pour qu'il y ait ballon, faire danger, faire n'importe quoi, faire sinobre. Voilà. Mais c'est ça te passe qu'il faut ouais, Real être vivant. N'était-ce pas ça, si Real vient de toi et attaquant crabe, de toi attaquant qui pas qu'à une capacité pour réaliser un dribble. Ou t'as pour Real Mourinet. Ou t'as pour Real Mourinet. Problème Real, c'est rien. Et puis on fatigue capture. C'est ça. Real a bon. Moi, je dis nous ça. Je dis tout le monde qui a écouté ça. Real Bral bon. C'est le repos pour décembre et après en janvier. Si vous quittez Real, al jouer. Ou bien t'as une chance de qualifier directement. Vous avez une chance de qualifier directement. Ou bien la rebarra est qualifier. Et puis vous avez à Real Madrid dans le mois de février-mars. Pendant que je dis ça, tout maintenant, explique aux bagages, ils viennent plus grave tout. Ou qui doit penser, ou qui doit penser équipe là et pour mi et l'arrivée. À moins que si, à moins que si vous êtes blessé. Ou penser équipe là pral. À moins que parce que vous allez en repos, vous allez en trêve. Oui. Vous allez prendre repos. Après repos, il y a tout né. Mais repos maintenant, c'est presque pour tout le monde, pour toute l'autre équipe yo. Real Madrid m'a parlé et Real Madrid a un problème. L'autre équipe a un problème. L'autre équipe qui a un problème, mais Manchester City a 9 blessés. Oui. L'équipe m'a parlé de Real Madrid qui a un problème parle qui spécifique à lui-même. Avec Real Madrid, il va le remédier ça à partir de janvier. Mm-hmm. Et après janvier, il va le prendre repos là, repos décembre n'a bon pour eux et puis il va le régénérer, le régénérer. Parce que ça passe. C'est Pentis qui vient dans l'équipe ça. Pentis dit qu'il fait un gros travail préparateur physique et puis pendant Pentis a fait préparation physique, travail ça, il tout cassé Real. Mm-hmm. Ça veut dire là, messieurs, même, ils travaillent trop. Parce que c'est la raison ça qui fait. Ils travaillent trop, mais par contre, ils jouent au football. Non, mais ils jouent au football. Lorsque le football, ils jouent au football. Quand ils arrivent, ils lassent. Oui, ils sont fatigués. Parce que c'est jouer à bail dans le corps. C'est de l'eau à bail. Et de plus, Real Madrid, Calo, c'est allé Calo pour aller parce que quand on projette un Zidane là, hein? A fait Zidane presque conclu pour 2026. Mm-hmm. Ah, il y a annoncé Zidane. Real, en plus des problèmes, ça, blessure, fatigue, Givini, mis en terrain. Mais Real, il y a une crise en donne. Ballon doit avoir plus de gros problèmes encore.
mais faut que messieurs même yo parle comme si éterniser sous bagaille ça parce que et ça qui est en passé ça gon l'autre bagaille là et mais toi je vais brûler jusqu'à qu'il y a tout oui ça veut dire et bon question était sous ça et bon question c'est oublier ça oui mais c'est même j'ai réversé l'équipe Real de Madrid là et même bah ça qui poussé avec l'équipe saoudienne là qui besoin Vinicius là malgré nous attendons hier et agent Vinicius a parlé qui dit yo poko jam répond directement club là mais yo pas écarté possibilité tout pour Vinicius aller tout bagage ça au sous table là et Vinicius jusqu'à présent là poko répondre positivement Real Madrid là son gros problème pour le Real voilà. Oui, Real là de Madrid des gens qui nous disent là équipe là capable de baisser là par rapport et saison qui ont été jouée et l'année dernière là. Et Real de Madrid c'est pour la première fois tout et ça pas arrivé depuis 15 ans pour jouer deux matchs dans Bernabeu ou deux matchs consécutifs et ben pour tomber. Et dernière fois sont là pour lui venir. Bon, on a perdu 3-4 même. Dernière fois ça a été produit, c'était dans la saison 2009. Les Real était tombé et contre Real Mallorca et qui était gagné et les ça il était tombé contre et Barcelone d'où et les ça Barcelone de Bayo 6 goals à 2 dans Santiago Bernabéu et puis Real Mallorca t'a pas le Bayo 3 goals à 1 et bien ça pas arrivé depuis 2009 depuis 15 ans et bien un Real de Madrid noué et commencer gain du doute là au niveau et club merengue nous senti équipe là et surtout est-ce que me capable dit l'arrivée de Mbappé causer un pile problème dans équipe ça malgré son joueur était grand pile attente et de lui-même mais Kylian Mbappé jusqu'à présent qui vient là qui pour convaincre fanatique Real de Madrid jo et non seulement ça Mbappé est-ce que c'est performance Mbappé qui fait journée jodi en tout et Didier Deschamps qui c'est sélectionneur de l'équipe française là il pas sélectionné est-ce que c'est performance qui fait journée jodi en là et il pas fait partie sélection et défense ça maintenant oui il va important le football cap si on pas important non club bois non club ou pas ou pas ou pas fin ou pas galérer l'eau vous mettez non si quelqu'un d'autre équipe bon ou par contre ils ont décidé ça là il dit la nature vous compte Mbappé et Florentino Pérez ça veut dire là et ça équipe de France là non seulement qui gagne petit Bakou là qui a bien joué et jeune joueur Yogen Mikael et Olisdou qui a joué dans Bayern Munich et me penser et malgré que nous pas pral dire moun ça on a niveau Kylian Mbappé mais en tout cas nous est un monde dans pas dans niveau Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé champion du monde oui il gon non mais actuellement là Kylian Mbappé rien devant ça non regardez même football il a Kylian Mbappé football. Nous par contre ça la bruit c'est court il a couru sur terre parce que ou efficient ou important et mon bras dit tout c'est parce qu'il a déplacé lui et dans couloir mais il était dans son environ 12 matchs qu'il y a la monte en plus il était il bat Kylian non Kylian commence à baisser Kylian commence à baisser depuis dans Paris Saint-Germain côté côté qu'on a dit Léo jusqu'à ce qu'on a retiré Léo voler là-dedans pour voir si la ressuscité et va couler non comment c'est baissé et ben Real Madrid il commence depuis dans Paris ni en sélection la preuve n'est quand nous il comme si qu'il devait non il a même pas de Kylian bien que dans match contre Autriche là bon nous pas chercher ça tout comme excuse là Kylian Mbappé et non a cité fort non seulement c'est superstar et sélection française là pour venir dans Coupe d'Europe là pas marquer un goal c'est vrai il était dans un télescopage avec un joueur et autrichien qui te frappé le visage du côté il t'arrivé même pour ton masque mais nous pas pral prendre ça comme excuse depuis là nous voyons Kylian Mbappé son joueur capable de baisser et qui vient est-ce que c'est folie tout tellement l'envie de jouer dans l'équipe Real des fois qu'on gagne ça tout maintenant ou qu'on tellement oui, et envie de jouer et puis l'on paraît ou pas capable résultat bon ça peut faire pour monsieur là si j'ai un football là bruel là c'est pas monsieur vidéo pour la regarder pour la travailler par la position qu'il a pour le montrer, comment Benzema de Gonfel qui tout près de lui-même tout près à là garder qui en Ronaldo brésilien Gonfel garder qui en Cristiano qu'on joue garder l'autre monde qui qu'on a pour dans position qu'il a pour c'est ça pour aller pour le travail
Un travail, ça vous le fait. Voilà. Et n'a toujours été dans la Ligue des Champions. Tout à l'heure, n'a venu avec équipe et 11 types et pour Ligue des Champions pour 4e journée. Hein. Mais pendant nous t'a parlé de Didier Deschamps qui se sélectionneur équipe de France là, qui pas fait appel avec Kylian Mbappé. Eh bien, en nous ouais déclaration et que Didier Deschamps lui-même lui fait quand il t'a expliqué. Il dit et raison qui fait le parler et Kylian Mbappé. Non seulement il parlé plusieurs fois avec Kylian Mbappé, elle réfléchit tout, c'est ça qui fait les prendre décision hein, et bien elle parler Kylian Mbappé, mais elle pensait et c'est un moment et qui mieux pour lui, ça existait et lui dit pas pral argumenter et bagaille comprendre et était bon partenaire monsieur. Voilà, mais elle dit l'a dit nous deux bagailles, il dit Kylian gagne pour retourner dans l'équipe là, il dit c'est pas un problème extra sportif qu'elle gagne avec Kylian Mbappé et ni c'est un et c'est un bagage qui juste et rentre en ligne de compte et il dit à partir de ce moment pas un règlement de compte dans question voilà il dit ça il dit ça existait il juste fait un choix c'est un choix il faut choix en tant que coach voilà c'est un qui choix qui a bon pour monsieur qui a bon pour monsieur parce que l'homme est forme yo juste après l'eau dans sélection toujours qu'on en super forme voilà qu'on est là pour qu'on ait conscience pour travailler. Pour qu'on ait perdu échelle, perdu échiquier mondial là. Oui, mais c'est comme ça le débat. Elle dit c'est juste un choix ponctuel qu'elle fait. Elle parle de Kylian, mais pas rien qui est rentré en ligne de compte. Pas de problème avec Kylian. Non seulement, ils ont échangé paroles souvent, ils ont juste fait un choix. Ils parlent de Kylian Mbappé. Mais pour un peu le monde qui comprend, c'est performance Kylian Mbappé. Et on nous met dit ça, et ça, on voulait. C'est Kylian et ses performances surtout avec l'équipe Real de Madrid là. Qui fait que journée jodiant et yon moun nan tankou et Didier Deschamps pas convoqué dans liste que et sélection de France en mettre dehors. Tout à fait. Oui. Bon. Maintenant c'est avant que nous même nous continuer avec actualité, il faut aller prendre l'autre match qui était joué dans Ligue des Champions yo. Et on nous prend rapidement et quelques amis tankou Baba Haïti fanatique Real de Madrid dans moment bagaille yo pas bon pour lui. Jean-Claude Ednel zanmi nous a fait pas nous qui toujours là Yves Nakola nous va à Pedje nous saluer et tout et Mounzao et qui là yo même est capable et suivre dans moment là capable garder et émission par approche au stade gain Pierre Kensel chéri tout et qui à peine rejoindre nous gain causer et qu'il dit il dit si nous dans même nous là live contacter bon dans numéro ça bon yo tout elle causer qu'il dit ça c'est affaire par nous et radio télé proche nous c'est une petite crasse pour chaque monde et puis Pierre Kensel qui dit à Dagoulendri que tu as dû jouer bon et question ça avec Pierre Kensel chéri moi te quoi l'irrité avec Carlo Ancelotti et qui ouais et qui pourrait que est-ce que demain ce ça ça supposé jouer il dit yo Kevin plus grave bon ça c'est tout à l'heure est-ce que Sebaos blessé. Pour dire Sebaos. Sebaos est blessé. Sebaos pas blessé, non? Sebaos retourné dans match Milan. Il retourné contre Milan. Bon, par contre, si après match là, s'il arrive blessé, mais il te joue contre. Mais il n'y a aucune information qui dit qu'il est blessé. Il va rechuter. Je ne sais pas ça, Pierre Kensel. Oui, et n'a pas ça et profiter de s'allier et tout amis ça yo et au même n'a pas de continuer partager Jean-Claude Ednel, Baba Haïti. Et tout ça mis sur Pierre Kensel. Et puis, nous avons continué toujours avec l'actualité. Avant que nous venions avec 11 types là, non seulement nous allons venir avec et tableau et pour nous un classement après 4 journées qui jouent. C'est Liverpool lui-même qui fait et les pleins. Jusqu'à présent, c'est 4 matchs, 4 victoires. 12 pour 12. 12 pour 12, voilà pour Liverpool. Il y a peut-être classement mondial là. Voilà. Et puis, il y a une équipe qui n'a pas de jambes tombées pendant la saison là dans la Ligue des Champions. C'est Aston Villa qui tombait et contre Club Brugge. Alors, ça arrivé à l'équipe. Club Brugge gagne un goal à zéro. L'équipe, ça a arrivé avec. Au début, on a commencé à perdre. Au moment où on a perdu, on a perdu net. Par exemple, on n'a pas quelqu'un de place. Vous pensez ça maintenant? Ah, bon, on a commencé à perdre. On a 12 ans. On a commencé à perdre. Et puis, il y a une équipe, c'est l'équipe Sporting CPA, qui sont club portugais, qui sont club portugais alors, et qui malmené Manchester City par 4 goals à 1. Il y a Victor Gyokeres, joueur ça qui marque un triplé, et après match là, Guardiola bal la main, lui féliciter pour performance, et non seulement joueur ça. Et nous avons cité là, dans plusieurs clubs, déjà qui Barcelone, qui est attaquant ça, un attaquant suédois qui a marqué gol sérieusement et avec information Sporting CPA maintenant.
Ouais, depuis et vous savez bien depuis ça attaque on va faire goal. Tout le monde a fait a fixé Jésus, il a forcé d'où. Il a tiré vers eux même et ça a besoin d'un attaquant, un goal. Oui, c'est goal, parce que c'est ça tout et jouer ça le fait l'essentiel. De bois brato tout on est à Boban. Et c'est un attaquant là, non la cité très fort équipe FC Barcelone et pour ta fin remplacer Robert Lewandowski qui prend l'âge sérieusement, je pense que si toutefois Barcelone t'a fait choix des attaquants ça, je pense qu'il était capable utiliser à l'avenir ou pas qu'on est parce que c'est une pour un joueur pour moteur et pour metteur alors qu'a monter là. Oui, son jeune joueur dit il y a avenir. On club Zouka gagne la vie même la fait goal il connait mettre ballon dans goal depuis il pas un joueur mouvement depuis il gagne constance à la cali que on est où à l'investir encore là bien investi voilà mais si n'a pas les tout mettre là et nous capable dire équipe Manchester City là il a baissé par rapport ça au blessé sur tout passé yo et c'est vrai qu'il y a grand pile blessé yo tombé dans weekend là et dans championnat dans premier league là et yo éliminé dans Kara Baou Kepka contre équipe Tottenham nan et yo tombé là encore hier dans Ligue des Champions 4 goals à 1 contre Sporting à CP nous est là effectivement et équipe Guardiola l'a baissé. Bon moi mais c'est pas de go équipe passé ça. Et Guardiola vinn prendre qui mettait là. Oui nan niveau qu'il y a pas dans sorti de là. Mais c'est normal son équipe football c'est humain oui. Il est blessé. Il conseille de bailler pour faire yo. Ou après qu'on a des joueurs perdus, des cadres qui sont dans l'équipe là, eh bien bon, dans le cas ça, c'est normal pour eux, ou après l'équipe là vient comme ça. Ils viennent dans des six coulis. Eh bien, c'est après que ça a venu retrouver. Toutes ces équipes pour nous, ils mettaient, si depuis qu'ils ont passé, les joueurs viennent tout de normal, toutes ces équipes qui parlent de problème dans la deuxième partie compétition. Et tant qu'équipe. Tant qu'équipe City à tout. L'équipe est tout le monde qui est normal. Yo sorti des blessures. C'est l'équipe qui peut lever, depuis qu'on qualifie, l'équipe pouvait. Parce que l'équipe ça, c'est l'équipe qui est très technique, nous comme ça. Et City ça. On a besoin de battre là pour profiter de battre. Et pendant que là, pour profiter de battre, pour éliminer. Parce que depuis l'équipe ça, qui est une équipe. Ou on a mes formes pour profiter de battre. Parce que depuis qu'il s'est reprendre forme, ça veut dire qu'il va être redoutable. Il va être redoutable. Tout à fait. Et puis maintenant, il y a 11 types qui sortent, malgré que belle victoire équipe FC Barcelone dans le déplacement qu'elle a gagné étoile rouge et 5 goals à 1 avec Robert Lewandowski qui marque un doublé et gagne tout joué ça qui c'est Jules Koundé qui bat 3 passes décisives dans le match. Ça. Nous n'avons pas bon joueur équipe FC Barcelone qui fait partie 11 types ça après 4 journées dans la Ligue des Champions. Bon, le juge, qui adversaire était en face? C'est ça, le jugement. C'est sous ça, vous prenez? Oui, le juge, qui adversaire était venu, c'est un gros match qui a été fait. Parce que l'adversaire a pas de poids. Et puis et à l'actuel gain Rafinha c'est meilleur joueur brésilien qui a joué là dans le moment qui n'a pas lien Rafinha et bien après match hier là qui vient un premier joueur qui inscrit et bien 8 goals et son année et civile avec l'équipe FC Barcelone et dans Champions League depuis Lionel Andrés Messi en 2019 joueur lui-même qui a bien comporté et qui a pas craché et du fait là n'a parlé de Rafinha est-ce que et si Rafinha a arrêté avec forme ça pendant trêve internationale est-ce qu'il pas pral et utile sélection brésilienne non pour forme que nous jouer ça lui-même l'afficher là non seulement joueur a fait goal et Rafinha la bypass décisive ou senti que joueur avait une confiance avec l'arrivée de Hans Dieter Flick et bien Rafinha et bien vin et ses premiers joueurs tout dans 5 et championnat majeur européen qui déjà atteint 11 passes décisives pour toute compétition et confondu pour saison ça et bien en tout cas Rafinha maintenant est capable cracher et du fait et déjà et c'est un monde à surveiller là et me penser que et si toutefois Barcelone t'a remporté Ligue des Champions bien que et Thierry Henry dit et c'est une équipe là qui favori pour ta remporter Ligue des Champions est-ce que yon jouet en coup Rafinha c'est pas bra youn nan potentiel pour prochain et ballon d'or 2025 6 ans ka ou l'FC Barcelone t'a remporté Ligue des Champions t'a arrêté avec comme ça oui t'a le travail c'est nous bonnet toujours
La Ligue des Champions. On ne parle pas de la Ligue des Champions. Elle est arrivée dans le mois de mars. Là, ça, on parle de tout le monde. Mm-hmm. Oui, quand vous prenez le mois de mars, vous voyez, et puis nous filmons le carnaval. Oui. La Ligue des Champions, on parle de tout, papa. Bah, elle a commencé. Oui, bah, c'est sérieux. Mm-hmm. Alors, une équipe de football, elle ne peut pas gérer mars, avril. Et puis, on parle de mai, qui est le final là. On parle de nous, papa. Mm-hmm. Avec dit, nous parle de tout le monde dans le barrage, ça. Voilà, mm-hmm. C'est là, nous parle, ouais, vrai. Et si l'équipe est en forme, dans la dernière phase. Donc. Oui, là, on va gérer tout le monde. Il y a important tout. Parce que de pouvoir arriver dans la phase, ça, c'est gérer le bien. Mm-hmm. Et ça, il faut attendre Abdou Real Madrid, Real Madrid là. Et pas rien, non. Real Madrid, il faut gérer le moment ça. Et là, chaque fois, il va arriver. Masse, ou gonfler quand on ballon, mm-hmm. Et puis pour éclater tout. Voilà. Et puis après doublé hier que Robert Lewandowski marqué pour le FC Barcelone contre Étoile Rouge là, et bien Robert ça fait le 99 goal dans affaire Ligue des Champions qui derrière Lionel Andrés Messi et Cristiano là. Ronaldo. Mm-hmm. Et bien dans 16 matchs pour toute compétition confondue et pour saison ça, c'est 19 goals pour Robert Lewandowski, dépasse décisive vraiment Robert Lewandowski qui a pas craché et du fait malgré la prend l'âge avec le football club Barcelone maintenant. Il dit bon année ça bon monsieur ensemble en Barça pendant Barça a poussé là Barça c'est mettre Europe là coulier soit parler des équipes qui en forme c'est Barcelone Boudi parce que pas rien l'autre. Mm-hmm. Hein et ben ça il une ligne d'attaque qui a craché du fait. Il a mis des ballons dans le filet sérieusement. Koulé a Kembe pour Kembe. Voilà. Et Kembe pour Kembe, depuis Kembe comme ça. L'équipe l'a fait toute année comme ça. C'est comme ça qu'on doit avoir le Barcelone. Il prend Liga, ou qu'on doit avoir la Coupe du Roi, ou qu'on doit le prendre. Il prend Ligue des Champions. Mm-hmm. Et puis, Pas les gens qui gagnent, mais l'autre, nous, plié. Ça veut dire, changer, me dit nous, ça te plie, il faut enlever, les compétitions après finir. Hier tout maintenant hier nous t'as fait match ça là qui te mettait Paris Saint-Germain le Parc des Princes et qui t'a recevoir et formation Atlético de Madrid et bien qui a gagné équipe Paris Saint-Germain c'est équipe ça il pouvait que il pas sérieux vrai dans affaire Ligue des Champions Paris Saint-Germain qui l'équipe ça lui-même l'a remporté édition ça et bien que nous connaît AT Madrid d'où et son équipe qui pas gagné son équipe qui a gagné la guerre qui perdu et plusieurs finales déjà mon senti équipe ça les plus ou moins par rapport avec équipe Paris Saint-Germain hein. Y a un Paris Saint-Germain qui ouvre score en bonheur avec Warren Zaï et Mery faut que nous mm-hmm. tout sur un PI tout yon erreur et de Clément Lenglet défenseur français ancien joueur du football club Barcelone Jabagado et puis et Dembélé et prend ballon le font passe et pour Warren et Zaï et Mery et bien qui était pas tout seul face et portier Slovenien Yann Oblak il t'a pas mettre petit point de pied dans ballon c'est d'après la premier goal. Yo équipe et AT Madrid qui t'a pas pousser avec Giuliano Simeone qui c'est petit Simeone vraiment qui était pas équipe là allant offensif là avec Tounahel Molina et bien 4 minutes après Nael Molina d'après la trouvé égalisation son frappe et de Giuliano Simeone petit Diego Simeone hein, ballon qui d'après le frapper rebond d'après joindre et Nael Molina qui t'a venu mais qui met ton frappe du gauche ballon qui d'après dans filet c'est d'après deux goals et c'est d'après un goal dans chaque camp. Gangel Correa lui-même qui t'a rentré dans deuxième mi-temps mm-hmm. international argentin et bien dans 90 plus 3 Tabral marqué dixième goal là qui t'a tout synonyme de goal victoire là et pour la formation. Je vais te payer dans Wally. Et ça que belle dans nouveau format ça alors maintenant c'est pas un match retour. Ah ouais, on va un match retour non. Pour c'est être capable de faire tu prendre revanche. Oui, va pas revanche. Faut finir on flow net. Yo on flow net. Et des lois sur sans son l'autre. Mais ça penser d'équipe Paris Saint-Germain ça, c'est pas équipe ouais. Et moi-même, j'ai un problème avec Paris et Saint-Germain qui toujours a fait folie pour Superstar. Et non seulement là, ils font choix. Et hier, pour moi-même, qui pas de bon boulot, là, ils ont choisi de jouer avec Marco Asensio en pointe. Avec dit, ils ont fait Dembélé rete à droite, et puis Bakola, Bradley Bakola décalé à gauche. Et puis, accent, ils ont quitté le bout Marco Asensio qui a un avant-centre type vrai. Si on joue couloir, Marco Asensio, ça n'a pas brivé.
et gain de match ou prend risque avec lui, mais c'est pas un véritable point axial vrai. Et nous, c'était une doux, non mauvais choix que Tiloulou Henrique a fait malgré que nous connaissons un très bon coach. Mais coach, même si c'est bon, il a fait erreur. Oui. Il a fait erreur, il a fait un mauvais 11. Il a essayé, il a fait un entraînement, il a fait un entraînement, ça n'a pas marché. Ça, quand même, il a fait 11 là, il a une habituelle. Ça a marché dans le club là, mais on l'a mis au soutien pour mettre en compétition. De toute façon, l'autre équipe, ça n'a pas marché. Mais eux-mêmes, ces coachs, ils ont fait ça, ils ont pu se faire une équipe. Ils ont dit qu'ils ont fait. Mais, en pile fois, les coachs ont fait un mauvais 11. Des fois, ça n'est pas le coach, c'est lui-même qui l'a fait. Parce que dans le schéma tactique, où des fois, ils finissent préparer un entraînement, ils mettent sûr que c'est avec le libéral joué. Oui, il va mettre titulaire. Depuis préparer match pour ça préparer ça mon jeune préparer match avec ça va jouer. Et puis gagne Jacob Massin Timzenyez qui salue nous salue le tout Ancelotti trop conservateur, il va même ba jeune une chance pa yo. Bon, Carlo Ancelotti il fait ça saison 2014 dans Real de Madrid. Parce que Carlo Ancelotti toujours depuis le Real joue tout contre 11, il pas jamais ba jouer Messi Rodriguez et c'est un joueur tellement pile. Je pense que yo joué dans coup Hendrick Ada Goulet et pense yo gen yo gen place et jeune yo ba quelques minutes mettre là pour vous comprendre si vite Hendrick ouais chaque fois mettre les font bail oui ou on doit pas débuter avec le match voilà mais là on est grand Kylian commence à descendre grand zone faut mettre une équipe pour monter constamment pour lui jusqu'à tout à fait jusqu'à présent mettre là tout à fait. Bon raison parce qu'il y a Mbappé et même Jean et Carlo Ancelotti a trouvé faiblesse Real de Madrid là c'est un problème défensif et non seulement dit qu'il y a Mbappé c'est pas jouer cap tourner vienne défendre et c'est je dis à tout monde je dis à tout monde a dit tout monde a parlé en pile mais c'est pas même qu'on évoquer là déjà monsieur Ribéry parce que monsieur sont pas reçus monsieur pas défendre pour et plus que ta et ça te qu'on bat qui tout. Et ça, tu es contre le PSG problème, non? Qui voit le PSG pas jamais arrivé dans le plus haut niveau. Oui. PSG, tu es Messi, Neymar, Mbappé. Là, on a parlé. En gros, équipe qui a 6 joueurs, Messi pas venu marquer pour. Neymar pas venu marquer pour. Mbappé pas venu marquer pour. Je ne sais pas si c'est là. Si d'ailleurs, on n'est pas en forme. Oui. On ne va pas tomber. Voilà. On va tomber, on va éliminer. Et c'est pas bon Messia. C'était Messi Barcelone. Oui, c'est d'abord l'autre Paris et Saint-Germain, ça c'est sûr. Vous comprenez? Tout à fait. Encore plus nous dégager dire pas de bon Neymar. Voilà. Parce que Barcelone dès que tu as fini prendre tout jumé c'est ça. Oui. Vous comprenez? Mais c'est au vin là et yo débat qui dans Paris Saint-Germain, c'est vrai objectif c'était la Ligue des Champions, mais Paris Saint-Germain, yo équipe tout pas qu'a fait avec presque trois monde tout si n'était capable de dire ça parce que c'est un effectif cap marché on dit un collectif une équipe pour champion faut dépenser bon faut mettre terrain bon faut attaquer bon voilà avec dit tout compartiment dans toute partie dans terrain ou qu'on faiblesse son côté on va gagner champion. Et puis dans le moment qui n'a parlé un gain Enzo Fernandez international argentin champion du monde là et bien qui fait trois passes décisives dans 21 minutes dans conférence Ligue 1 en tout cas c'est bien et pour milieu de terrain défensif argentin hein? Et bien qui n'a pas tendu trois passes décisives dans 21 minutes 21 minutes pour Chelsea c'est trop dans 21 minutes il fait trois passes décisives c'est trop mettre là 21 minutes pas trois passes décisives et bien chouette bon il a mené 5-0 6-0, il a mené là. Non, oui, dans la conférence Ligue 1. Et puis après le match, Milan, c'est en tout. Et Milan, c'est moqué Junior Vinicius sur TikTok. Côté, on met ton sofa. Et puis, on met Junior Vinicius qui a pillé. Qu'on monde qui fatigué, qui a dormi. Ah, et bon, bon là. Milan, c'est bon sur Junior Vinicius. Ça veut dire Milan. Milan, qui est en sorti en forme là maintenant. Bon, Milan, c'est pour Milan. Ouais, Milan, fait pas ça. Milan, pour qu'on même s'il a qualifié, non? Bon, nous allons aller rapidement maintenant, c'est pour nous aller équipe. Ou d'abord 11 là, oui. Oui, nous allons venir à 11 ans. Et puis, il faut nous battre classement tout. Oui, nous allons battre classement tout. Nous allons battre Milan, qui a battu col là.
Et nous allons aller rapidement et pour nous bailler 11 après et 4 journées qui jouent dans la Ligue des Champions. Jean-Kennedy dit là, malgré belle performance, équipe FC Barcelone qui crase équipe Étoile Rouge là, pas bon joueur, équipe FC Barcelone qui fait partie 11 dip ça, malgré joueur français à Jules Koundé fait 3 passes décisives. Bon, ça avait dit second l'autre latéral qui jouait plus bien que monsieur. On doit faire 3 passes décisives l'homme du match. Non, c'était Inigo Martinez qui finit l'homme du match. Et pour l'équipe, ça. Moi, c'est Inigo. Si moi, je ne vais pas faire. Rafinha, qui définit. Gardien, c'est Mike Maignan. C'est normal. Et Michel Sauvé Milan. Oui, qui joue. Tout le temps, on a mis la palais à Michel Sauvé Milan. Qui joue un gros match. Et qui fait. Qui gagne Mbappé plusieurs saves. Quand il sorti contre Mbappé, il a gagné. Et puis, défenseur, c'est Kira. Thilo Kira. Et puis, Yen, qui est un cap joué à Atalanta. À gauche, nous c'est. Nous battons M. Non? Non, pas M. Mounsa. Et Mounsa, ouais. On a regardé pour nous ici. À gauche, c'est Davis, cap joué à l'équipe Bayern Munich. À droite, c'est Nael Molina, qui joue un gros match pour l'équipe AT Madrid. Non seulement c'est le même qui a égalisé pour AT Madrid, champion du monde argentin. Nael Molina, en d'intérêt, c'est Tillman, cap joué à PSV. Genlis Melou, bon, nous pas ouais match ça yo, nous va garder un jour. Et puis Gen Luis Diaz qui joue dans Liverpool hier qui font goal avec. C'est un goal avec, il va même garder ballon même lui le mettre. Il frappe. Et puis Gen Koun qui joue dans Sporting et CP. Et puis en pointe c'est. Non, n'a pas capable de mettre, il qui va dit trois goals. Non, c'est Gyökeres reçu qui joue dans OK. Dans Sporting CP, c'est lui qui fait 3 goals avec Konaté qui joue dans équipe RB Leipzig là, Salzbourg. Konaté. Ah mais ça c'est 11 types là. Bon presque joueur qui dans 11 types ça tout mettre là et ça c'est pas et nouveau joueur oui. De renom, mais en tout cas et moi était quoi c'est performance et statistique et oui parce que il fait partie 11 ça. Il joue gros match. Voilà. Vous venez avec ouais non nèg qui habitué venir pas là. Avait dit ouais là, va faire cadeau de ça. Pas gain cadeau. Mais ça veut dire que ouais dans jour qu'a venir au conseil des non nèg. Et ça pas le faire nèg là autant de 2-3 matchs non n'a pas cité. Là va avancer parce que 11 jours importants. Voilà. Et puis l'autre prend l'homme du match important. Jou important tout. Ouais. Nous allons finir rapidement là. À classement. Avec classement. Oui, après après côté pour nous là. Pour nous et qui Jean équipe yo mais celle ça nous connaît Liverpool. Liverpool lui-même oui. Équipe et qui gagne 12 sur 12. Dit là Liverpool c'est jusqu'à présent c'est meilleure équipe qui gagne. Ça veut dire et nouveau format ça bon pour Liverpool. Oui, Liverpool parce que là vous on pas une série de grandes équipes. Faut nous du Barça on bon dit là tout. Barça on nous dit adversaire. Côté le craque dans jour. Qu'est-ce Barça. Oui, les jeunes quelques équipes là le bat bouche hein, le bat bouche. Mais bat le point. Mais Monaco des ballons fouet. Hein Monaco moi l'a dégagé lui. Ça veut dire papi aïe. Et pardon, chance, il fait un coup de chance, non? Ni lui-même, ni lui. Équipe française, yo. Équipe française, yo, bon, à part de Paris Saint-Germain, ou là. Cap. Non, pour Ligue des Champions, ça. Pour le moment, ça, là. On dit que c'est un nouveau format. Oui, pour le moment, ça. On a tenu au devant. Ne reste pas mauvais, là, on prend Lille. Bon, Lille, même, cap caché du fait. Et surtout avec Jonathan Dahl. On a tenu au devant. Pas de problème. Parce que peut-être, nous, ça. Je veux me dire, nous, équipe, ça va frais, eux même. L'équipe, ça va frais. Mais maintenant, c'est nous pour aller pour le classement. Après 4 journées qui jouent dans la Ligue des Champions, Liverpool en première position, Liverpool FC gagne 10 points, il gagne plus 9. Sporting et Portugal en deuxième position, il gagne 10 points tout et plus 7. En troisième position, c'est AS Monaco qui gagne 10 points et différence et plus 6 pour AS Monaco. C'est Liverpool qui gagne 12 points. En quatrième position, c'est Stade Bretois qui sont club et français qui gagne 10 points. Différence. Ouais. Je vais me dire ça. 4 places, tout le monde va avoir le bail. On a pour ça maintenant. En cinquième position, c'est Inter de Milan qui gagne 10 points. Différence est plus 6 pour Inter de Milan. En sixième position, c'est Barcelone qui gagne 9 points. Et différence est plus 10.
gen Borussia Dortmund qui en 7e position qui gen 9 points tout différence et plus 7 et pour club allemand. Aston Villa gen 9 points et plus 5. Atalanta Bergame en 9e position gen 8 points et plus 5. En 10e position c'est Manchester City qui gen 10 points et différence et plus 6. En 11e position c'est Juventus et Turin qui gen 7 points différence et plus 2. City gen 10, gardez là, City a bien. City en 10e, il gagne 7 points. Ah OK. Vous avez dit 10 points. Vous avez échappé. C'est ça me dit. OK. Il va échapper non. Il va aller. Vous avez échappé non. C'est 10e non, vous entendez. Ronaldo. C'est 10e position. Et puis en 12e position c'est Arsenal qui gagne 7 points plus 2. En 13e c'est Bayer Leverkusen qui tombé hier contre Liverpool qui gagne 7 points et plus 5. Gagne Lille en 14e position qui gagne 7 points. Plus 1 pour Lille. En 15e, c'est Celtic Glasgow qui gagne 7.0. Dynamo Zagreb gagne 7.-2. Bayern Munich gagne 6 points plus 4. Real de Madrid, gardez côté Real de Madrid en 18e position. Real gagne 6.-2. En 19e, c'est SL Benfica qui gagne 6.-2. En 20e, c'est AC Milan qui gagne 6 points. Plus 1, regardez Milan. Ouais, Milan, regardez Milan parler. Oui, a posté sur TikTok Junior Vinicius. Ah, Milan va essayer. Et puis en 21e, c'est Feyenoord de Rotterdam qui gagne 6 points et moins 3. En 22e, c'est Club Brugge de la Belgique qui gagne 6 points moins 3. En 23e, c'est Atlético de Madrid qui gagne 6 points moins 4. En 24e, c'est PSV Eindhoven qui gagne 5 points plus 2. En 25e, c'est Paris Saint-Germain qui gagne 4 points moins 2. En 26e, c'est Sparta Prague qui gagne 4 points et moins 3. En 27e. Non, depuis nous, en 24, là, nous ne pas bien aller encore. Bon, nous campons là. Depuis nous, en 24, nous campons. Ça veut dire 1 à 8, qui est-ce qui t'a pris là, qui t'a qualifié là? Il faut nous expliquer pour nous comprendre. 1 à 8. 1 à 8 là. Liverpool c'est... jusqu'à Aston Villa. Bon, c'est Mounsa qui t'a qualifié. Sporting. AS Monaco, Stade Bretois, Inter de Milan, Barcelone, Borussia, Aston Villa. Et Mounsaouk t'a qualifié directement. Yo qualifié directement. C'est à Goulia. Là nous sortis dans 9e, vous nous arrivez dans 24e. Aïe Moun qui va jouer barrage. Oui, bah, pour nous bien comprendre ça. Bien, là. Si nous t'apprenons la barrage ici, pour le moment, c'est Atalanta de Bergame, Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic Glasgow, Dynamo Zagreb, Bayern Munich, Real de Madrid, Benfica, Milan. Ça veut dire pas ennuyer nous. Là nous va pour demander qui est ci, qui est ça. Bon, nous dit là vous. Ça c'est moun pour barrage. Ouais. Et n'est pas parler, vous avez dit nous équipe nous dans barrage. Bon. Faut lever pied. Ça veut dire là gen ti passé mais ouais, avait dit faut Liverpool tout profiter là pour le bon frère Real. Et tout un abattu. Mon yo pas bon, le va voir avec pour vite mais il a réel là qui est en bon tour. Qui est ça? Liverpool. Liverpool vient pour jouer Real. Comme ça tout Real là qui a pi mal tout, va j'aime connait. Ouais, mais ça me dit faut Liverpool ranger col pendant il bien mal là. Pour profiter sa patale parce tout temps Real a sa patale. Et puis Alain Simon qui m'a dit nous qu'on dise. Bon, Zagallo là même le va attendre, il est en forme Alain Simon, Zagallo et Lila, il est en forme. Bon, maintenant c'est nous gèlè pa gètan font parler des Lissou, non parce que nous gèlè Lissou sous genou là, nous gèlè pa gètan bayo. Ça veut dire parce que là lui-même qui déjà rivé là, nous pa gètan bay Lissou pour nous ta font et ti parler, nous oui, parce que nous gèlè Lissou sélection de France là, nous gèlè Lissou et sélection et allemand là nous gagnons là sous genou mais nous pas qui en bayo mais gens qui n'attendent là nous sont tendel tout à la zami Kylian Mbappé li pa nan lisa ke et Didier Deschamps mettait dehors pour trêve internationale la fouette organe monsieur et FIFA. Eh bien c'est là tout maintenant ça n'a mettre un bout avec un proche au stade pour après-midi. Nous te content pour nous faire parler avec tout zami nous tant que Pierre Kensel, Alain Simon et Ednel Jean-Claude pour nous citer mon seulement. Rendez-vous pour demain, si grand maître là, prêtez-nous la vie. Bonsoir, maître là, bonsoir, Wensé, lui. Bonsoir à tout le monde et bon après-midi. Allez!